Salut les Gaspard et les Gaspard de YouTube, nous sommes le lundi 1er avril, c'est le début des vide-greniers par chez nous. Il est 9h46, on va à OC, et on vous montre tout ça après le... Générique. Mélodie, le kangourou. C'est impressionnant. Ah oui, c'est une peluche. Ah bah attends, on c'est a une dans la grange, ma fille. Ça me fait peur. Voilà. Ah oui, c'est honnête. On en a une dans la grange, tu vois. Donc. Pour entendre tout. Il y a des verres. Des verres, des verres, des verres, toujours des verres. Ben, tu cherches des verres avant? Non, je l'ai déjà, mais je vais mettre des verres. Les verres, c'est simple, c'est celui-là, c'est celui-là, il est très simple. Le truc avec les fleurs? Mmh. Ok. Non, j'ai des 3 quarts et puis des 1 litre. J'ai un petit tout. Ça, c'est des 3 quarts. Le sac, tout le sac, il fait un Et voilà. Excusez-moi, madame, vous le vendez combien? 1 euro le DVD. Ah, d'accord, merci, j'avais pas vu. Pardon, excusez-moi. Bah, vous posez là pour l'instant ce que vous prenez. Et puis, c'est ça?
Excusez-moi, madame. Bonjour. C'est vous, là? Oui, c'est moi. Vous le vendez combien, le coussin? 8 euros. 8 euros, d'accord. Merci. Dites-moi votre prix, hein. Je ne suis pas non plus fermée à toute proposition. Hein. Bon, je sais pas. Bon, je vais réfléchir, je repasse. Ok. Merci. Merci. On vient de finir la brocante d'Ossée. Bon, ça va, c'était pas trop mal. On ne rentre pas brocouille. Et là, maintenant, on va à la deuxième brocante qui se trouve à Pompainville. C'est la première fois qu'on va la faire, donc on verra ce qu'on trouvera. Ah non, non, oui, non, c'est une journée de science. Ils ont fait une parodie. Non, c'est sorti bien avant ça. Ah ouais? Le vampire sec. Ouais, on regarde derrière, mais je pense que c'est des années 90, il me semble. Tu n'as pas pensé, hein? Pourtant, ça fait vraiment. Ouais, mais regarde derrière, je pense que c'est années 90. Ouais, les années 90, il me semble bien. Ou début 2000. Ok. Quand même, Vincent, tu nous dis qu'il y a. En bas, tout en tout petit. Ah bah tu vois, je me suis trompé. Oui, j'ai entendu. Deuxième VG terminé, très mitigé, pas beaucoup d'exposants, deux jeux trouvés, et on se retrouve à la maison pour faire le compte-rendu. Allez, c'est parti pour le compte-rendu de ces deux vide-greniers qu'on a fait le 1er avril, c'était la reprise par chez nous, donc allons-y, allons-y. Alors on va commencer par... Ah oui, mais attention parce que j'ai rentré... du DVD, du jeu vidéo, dont un jeu PS3 sous blister. Alors attention, restez bien jusqu'au bout, parce qu'on va les blister ensemble. Et du jeu de société, mais on va commencer par les DVD. Alors on va commencer par un lot qu'on a fait avec ma petite femme. Alors, en premier, un petit lot, hop. On va commencer par le film Moonwalker, avec Michael Jackson. Je l'avais jamais vu. Donc, hop, et dedans, hop, moi j'ai vraiment que je pense à prendre une petite table. Hop. Quand j'ai ouvert, il y a le film, il y a un petit catalogue aussi, des films d'époque qui sortaient en même temps, et il y a aussi l'album Dangerous en CD. Donc, je pense que c'est petite surprise du chef, toujours sympa. Donc, un film pas comme les autres que j'ai jamais vu et que j'ai hâte de voir. Comme je suis bientôt en vacances, ça sera l'occasion. Ensuite, un film d'animation, L'Étoile Rouge, qui rentre aussi dans la collection, dont je connais pas. Donc, avec le petit fourreau en carton. Sympa. Le film Space Cowboy, avec Clint Eastwood, entre autres. Jamais vu non plus.
Ça fait un moment que je veux le voir. Il y a Clint Eastwood, Tommy Jones, Donald Sunderland et James Garner. Alors, hop. Pareil, il y a aussi un petit catalogue DVD Vore. Le labyrinthe de Pan. Jamais vu. Pareil, c'est bien. D'après ce que m'a dit, de ce que dit madame. Un film en coffret. Hop, faut vraiment que je commence à prendre une petite table. Un week-end. Attends, c'est Pur Week-end avec Caméra des Bruno Solo. On l'avait vu il y a longtemps. Alors, avec un fourreau cartonné. Pareil, hop. Le DVD avec le film en DVD avec un petit catalogue. Et aussi, l'originalité, le petit futé, petit guide de la région où ils ont tourné le film, le guide du Pur Week-end. Voilà. Trouvez ça sympa qu'ils mettent ça avec. C'est vraiment sympa le petit coffret. Et hop! Là, on range en même temps. Et enfin, le dernier, un manga. Un manga entier en coffret en édition Gold, l'intégrale, c'est Escalfone, je crois que ça se dit. Donc je ne connais pas. Ah oui, c'est Escalfone. Faudra que j'apprenne à dire le nom. 26 épisodes, 6 DVD. Les 6 DVD y sont, et il y a aussi le petit artbook. Le petit livret. Je sais pas si on peut appeler ça artbook. Hop, le voilà, le petit. Hop, voilà, je vous montre quand même. Hop, le petit livret, il est là. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. La liste des personnages, je me mets mal. Hein. Hop. Bon, je ne voudrais pas plus parce que je n'arrive pas à tourner pas. Voilà. Il y a aussi le. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, alors ce lot-là, 6 euros. C'était 1 euro de DVD, dont le coffret entier, où il y a 6 DVD dedans. La dame ne voulait pas négocier le prix des DVD, mais elle a dit même le coffret à 1 euro. Donc ça fait 6 euros les 6 DVD, donc très très bien. Ensuite, on va passer hop, à celui-là, c'est en Tibet. Alors celui-là c'est un autre lot. Hop, c'est pareil. Celui-là, on l'a eu à 50 centimes. Et enfin, attention, on va parler du jeu sous blister sur PS3. Attention qu'on a décoté le 1er avril. Un jeu exceptionnel. Un jeu Disney. C'est le Anna Montana ce mauvais. Blister Digolas, comme dirait Okuto Jirem. Ouais, c'était un jeu sur mon vendu à Noz. Alors on l'avait sur Wii. Comme c'est un jeu Disney, bah on l'a pris pour la collecte. Donc on va l'ouvrir pour savoir s'il est bien dedans. Alors pas besoin de couteau, hein. Les doigts ça suffit. Attention. Attention pour âme sensible s'abstenir. Si vous ne supportez pas l'ouverture des blisters, quittez la vidéo tout de suite. Attention. Ouh, oh, j'arrache. Ouh, oh là là. Oh, c'est pas bien. Oh, qu'il est méchant, Roro, d'ouvrir du blister. Ouh, oh, c'est pas bien. Et voilà, le blister, il est déchiré. Hop là, poubelle. Et le jeu est bien présent dedans avec la notice. Avec un nac à l'envers. Et voilà. Ouais, c'est un petit jeu sympa. J'y avais joué avec mes filles et tout. Elles avaient bien aimé. Bon, voilà, ouais, c'est nickel. Hein. Comme vous voyez. Hop, vous voyez même le petit gaming room. Et puis le téléphone. Hé hey, hey, coucou. Et ouais, j'ai un ado maintenant. Yes. Un rings. Pardon, un rings. Ouais, parce que comme c'est Anna Montana, il faut être American. Donc, un rings. Donc voilà, ça rentre dans la collecte aussi. Un jeu qui est en français, hein, mais aussi le jeu est en français, allemand,
hollandais, espagnol, et le mode d'emploi est en français et en néerlandais, donc en FH. Hein. Donc voilà. Et c'est le numéro 00589. Bon, là, on ne voit pas parce que c'est avec le ring. Avec le ring, ça brille trop, mais. Donc voilà. Pour ce premier. Et on va finir pour le premier vide-grenier avec les deux jeux de société. Hop. Avec le. Trouvez-le. Alors, trouvez le dessin caché sur la frise du temps avant les autres joueurs. Découvre les plus grandes inventions qui ont fait progresser les civilisations. Donc voilà, ça se présente comme ça. Mais on n'y a pas encore joué, mais ça m'a l'air bien sympa pour les enfants, donc ça rentre dans la collecte. Et bon, on a bien ça d'une société. Hop là, ben voilà. Et le deuxième, bah, un classique, un Pizzureka, mais Pizzureka Megamat. Alors le tapis est immense, il faut le mettre au sol, on y a joué avec les enfants, et on s'est éclaté. Pareil, complet. Alors, c'était 6 euros. Oui, c'était 3 euros le jeu. Donc, c'était 6 euros les deux jeux. Donc, et puis, bah, le Hannah Montana Soul Blister, on l'a eu à 50 centimes. Donc, voilà. Un jeu tout neuf. Mais on le fera tourner sur PS3. Hey, on va passer au deuxième vide-grenier. Attention, là, c'est que du jeu vidéo. Et là, c'est un spécial RPG pour Retro Paradise. Gaming, oui, je crois, je m'en rappelle plus. Enfin bref, c'est un full setter émérite de la Wii. Donc, on va présenter ces deux jeux qui, sûrement, il a dans sa collection. Alors, le premier, c'est le Michael Jackson et The Experience. Hop, hop là, il est complet. Voilà. Hop là, et il se joue à 4 joueurs, c'est pour ça. Bref, c'est un jeu de danse, ma femme elle aime bien, mes filles aussi, puis moi j'aime bien aussi jouer avec elle, donc voilà, c'est vraiment pour le délire. Bon, c'est caté en musique. Et le dernier, celui-là je ne connaissais pas, celui-là je l'ai pris parce qu'on peut jouer à 4, c'est le Aladdin Magic Racers. Donc bah, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui joue avec Aladdin. Pas ceux de Disney, hein, bien sûr, hein, comme ça il n'y aura pas de problème de droit. Mais pareil, il est complet. C'est un jeu de course, alors on peut jouer soit à la Wiimote, et il est aussi compatible avec la balance. Avec la balance Wii Board. Et aussi, on peut jouer à 4. Donc c'est un jeu familial, donc c'est obligatoirement qu'il rentre dans la collection et qu'on va tester pendant les vacances d'avril, qui est bientôt du côté de Rouen. C'est la semaine prochaine, je crois, il me semble. Oui, c'est vendredi. Alors, c'est pas vendredi là, c'est vendredi prochain. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà, RPG, si tu passes par là. Hé hé! Regarde, j'ai rentré les jeux. Oui! Donc, voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, c'était un petit retour des vide-greniers dans la région. Enfin, surtout par chez nous. C'était mieux que l'année dernière, le début. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas que collectionner, c'est bien, mais jouer, c'est encore mieux. Et qu'en 2024, le démat, c'est toujours le mal. A plus tard, les Gaspards et les Gasparettes de YouTube. Et surtout, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !